Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la chaîne de Kayla Lucci. Aujourd'hui je vous raconte un cas de possession qui s'est déroulé à Ilfurt, un village situé dans le Sundgau, la partie la plus méridionale d'Alsace en France. Chez les Börner à Ilfurt, le fils aîné, Thiébaut, né le 21 août 1855, le second, Joseph, le 29 avril 1857. À l'automne 1864, les deux enfants, âgés respectivement de 9 et 7 ans, sont atteints d'un mal mystérieux. Le docteur Lévy, médecin cantonal d'Altkirch ainsi que plusieurs autres confrères mulhousiens, les docteurs Kraft, Weyer et Chertecki appelés en consultation, se déclarent incapables d'apposer un diagnostic sur leurs symptômes. Les remèdes tentés restent sans effet. Thiébaut, en particulier, devient d'une maigreur squelettique. Le 25 septembre 1865, apparaissent chez les deux garçons des symptômes anormaux. Couchés sur le dos, ils se mettent à tourner sur eux-mêmes, comme de vraies toupies, avec une rapidité effrayante, puis ils s'en prennent violemment au lit et aux meubles de la maison, avant de connaître des contorsions des membres inférieurs, des convulsions et des violentes attaques de nerfs, puis tombent, pour plusieurs heures, dans un tel état comateux qu'on les croit morts. Souvent, après ces crises, les deux jeunes malades avaient une faim de loup que rien ne pouvait apaiser. Leur ventre pouvait se gonfler. Ils sentaient courir dans leur estomac comme un animal grouillant. Thiébaut raconte qu'il se sent poursuivi par un monstre horrible, au bec de canard, aux mains griffues, aux plumages immondes. En voyant le spectre planer sur son lit et faire semblant de l'étrangler, l'enfant pousse des cris effroyables, se précipite sur le monstre et lui arrache des plumes, à 20 ou 30 reprises, en plein jour et en présence de nombreux témoins. Brûlés, ces plumes à l'odeur fétide ne laissaient aucune cendre. Des fantômes, qu'ils étaient cette fois seuls à apercevoir, les remplissaient d'une horrible frayeur. D'autres fois, les enfants se trouvaient assis sur une chaise, celle-ci était tout à coup soulevée par une main invisible et lancée dans un coin, tandis que son occupant était envoyé voler dans un autre. Tant de tribulations finissent par clouer au lit les pauvres enfants, aux corps douloureusement démangés par d'effroyables picotements. Durant des heures entières, les enfants sont calmes et apathiques. Et tout à coup, ils s'énervent, se raidissent, gesticulant comme des poissonniers, criant et hurlant. Leur voix n'était pourtant pas celle d'un enfant, mais une puissante voix d'homme enroué. Comme les enfants gardaient la bouche fermée, il était évident que ces paroles étaient le fait d'êtres invisibles établis en eux. De là à penser à Satan. Il y avait à Ilfurt une vieille femme de mauvaise renommée, chassée de son pays natal pour ses mœurs pour le moins dépravées.
Les enfants n'avaient-ils pas accepté de sa main des pommes suspectes? C'est ce qu'avaient raconté à plusieurs reprises les esprits qui hantaient les deux enfants. La chose la plus étrange était l'angoisse des petits en présence des choses saintes, leur violente répugnance à l'égard de l'Église, de la prière, du service divin ainsi que les exécrables jurons et les propos orduriers qu'ils proféraient sans cesse. Avec cela, ils s'exprimaient, parlaient, répondaient, en langues variées, française, latine, anglaise et espagnole, eux qui ne parlaient avant leur mal que le dialecte alsacien. Chacun veut voir les pauvres petits, et surtout que les autorités civiles et religieuses se préoccupent de leur sort, ordonnant sur le cas une enquête approfondie. Parmi les personnes intéressées figure le chargé d'âme d'Ilfurt, Charles Bray, grand dévot de la Vierge. Aussi, l'éminent et pieux curé porte à la famille Börner un intérêt tout particulier. Il a vite compris que les phénomènes étaient d'origine diabolique et qu'il s'agit d'un cas de possession. Par sa correspondance du 8 février 1868, il en avise l'évêque et présente un exposé succinct. Il écrit entre autres que, le cordon de Saint-Joseph fortement lié qu'il soit au corps et au bras, leur serait arraché violemment par une puissance occulte et jeté dans un coin de la demeure, le scapulaire voltigerait par la chambre. L'aîné aurait prédit la mort de deux personnes qu'il ne savait point malades, mort qui est en effet survenue depuis. Voilà ce qu'on dit, quant à moi, je n'ai encore rien vu, sinon quelques accès de contorsion. Après un premier exorcisme tenté par les bénédictins à Einsiedeln en mai 1868, et bien secondé par le maire Trèche et d'autres fidèles, le curé Bray adresse sur l'affaire un second rapport à l'autorité ecclésiastique, laquelle ne dépêchera qu'au printemps 1869 à Ilfurt, une commission de trois théologiens, Ignace Spies, maire de Célesta, M. Martineau, directeur de la régie à Célesta et M. Lacherman, de la congrégation des Frères de Marie et professeur à Saint-Hippolyte, pour mener une enquête officielle, puis, au besoin, de procéder à l'exorcisme. Deux esprits démoniaques habitaient en chacun des enfants. Ils turent leur nom aussi longtemps qu'ils le purent. Interrogés par le Père Souka au nom de Jésus, ces esprits malfaisants se dérobèrent à l'entretien. L'aîné des petits, Thiébaut, était habité par les démons Oribas et Hippès. Ce dernier se nommait comte de l'enfer, préposé à 71 légions. Hippès était atteint de surdité, et tant qu'il domina l'enfant, celui-ci fut complètement privé de l'ouïe, au point de ne réagir en aucune façon à un coup de pistolet tiré près de son oreille. Ce ne fut qu'au moment de sa délivrance que Thiébaut entendra de nouveau. L'un des démons qui hantait le cadet, Joseph, s'appelait Solal Étiel et était cruel et rusé. De l'autre démon, on n'était pas parvenu à connaître le nom. Il répondait aux questions des théologiens en différentes langues, surtout en anglais et en français. Plus tard, Thiébaut pouvait s'entretenir en français impeccable, ainsi que Joseph, lequel ne savait guère encore lire. Une fois qu'ils étaient seuls, sous le regard d'une voisine qui les surveillait discrètement, ils s'entretenaient toute une journée en langue française. En février 1868, l'évêque de Strasbourg invite le préfet du Haut-Rhin à « faire surveiller ses enfants » afin de découvrir si leur état a quelque chose de fondé, ou s'il serait l'effet d'une supercherie. De plus, l'autorité épiscopale confie à deux sœurs de Niederbronn, en poste à Mulhouse, Sévara et Métula, le soin de surveiller les pauvres enfants. Lorsqu'elle arrive à Ilfurt, on les conduit auprès des enfants, transférés et séparés l'un de l'autre à l'ancienne école, sur l'intervention du sceptique sous-préfet d'Altkirch, convaincu que le milieu paternel a cherché à tirer profit de cette affaire. Ces derniers, sans avoir pourtant jamais vu ni connu les sœurs, les appellent aussitôt par leur nom de religion et les tutoient.
À sœur Sévéra, une bavaroise, il précise le nombre de ses frères et sœurs, le genre de leurs occupations et lui dévoile plusieurs secrets de famille. Tout à coup, Joseph dit à l'une, « Tu serais bien gentille de me faire cadeau de la petite bouteille bleue que tu as dans ta malle. » Celle-ci se trouvait encore à la gare et contenait bien un flacon bleu d'éther qu'il fit chercher. Quelques jours plus tard, deux autres sœurs de Niederbronn, en poste à Altkirch, viennent rendre visite à leurs consœurs. Elles s'entretiennent des possédés à voix basse. Couché sur le lit, Thiébaud, pourtant sourd, a pu restituer les paroles des sœurs au curé Bray. Au début de septembre 1869, l'aîné des possédés, Thiébaud, accompagné de sa mère, est transféré en observation pour 5 semaines à l'orphelinat Saint-Charles de Schiltigheim, dirigé par les Sœurs de la Charité, transfert décidé par l'autorité ecclésiastique. Son comportement est une nouvelle fois observé de près, pâleur et maigreur d'un enfant qui avait grandi trop vite, yeux qui trahissent instabilité et inquiétude, et de surcroît sourd. Calme et expressif, il se promène souvent dans la cour, mais refuse toujours de pénétrer dans la chapelle, même les yeux bandés. Si on l'y emmenait de force, il aboyait comme un chien. Une nouvelle fois, on conclut à un cas de possession et l'évêque ordonne l'exorcisme. Le dimanche 3 septembre, le père Souka entreprend l'exorcisme en présence de 5 ecclésiastiques. L'enfant est emmené de force à la chapelle. Là, de ses lèvres, l'écume ruisselle jusqu'à terre. On commence par des litanies interrompues par un cri effroyable. Le jeune possédé se met à trembler de tous ses membres et on a grand-peine à le maintenir. Le lendemain, les litanies et autres prières liturgiques sont achevées. Un violent dialogue s'engage à nouveau entre le père tremblant et suant, et Thiébaud, pris d'un accès de fureur. Sans s'arrêter pour autant, l'ecclésiastique reprend l'offensive contre Satan en lui présentant un crucifix, puis une statue de la Vierge. Et là, une fois encore, le petit se tortille comme un ver. Mais cette fois, on entend dans le corps un craquement sourd. L'enfant se détend, se penche et tombe inanimé. Le diable l'a quitté. On le porte dans sa chambre et quand il se réveille, il ne se souvient de rien, et entend à nouveau. Mère et enfant rentrèrent à Ilfurt, dans l'espoir de voir Joseph lui aussi, bientôt délivré. De retour à Ilfurt, la mère doit admettre la triste réalité, Joseph est plus que jamais possédé et de plus, son état empire de jour en jour, alors que Thiébaud a retrouvé ses habitudes et aptitudes d'autrefois. C'est pourquoi sans plus tarder, le curé Bray sollicite de l'évêché l'autorisation d'exorciser également le petit Joseph. L'autorisation parvenue, la cérémonie de l'exorcisme est fixée au 27 octobre, à l'ancienne église de la Burnkirche à Ilfurt. L'opération a été gardée secrète afin d'éviter un attroupement et seuls quelques privilégiés y sont conviés. On commence par la Sainte Messe, où le possédé se met à taper sans cesse du pied, à crier, à aboyer et à se tordre en tous sens, et il faut lui lier bras et jambes. À l'office, le prêtre s'agenouille au pied de l'autel, et récite les prières de l'exorcisme, les litanies des saints, alors que Joseph se met à l'accabler d'injures. Et durant 3 heures, le veillant exorciste se fatigue autour de l'enfant, en lui appliquant reliques sur la tête, l'aspergeant d'eau bénite. C'est alors qu'invoquant à plusieurs reprises le nom de l'Immaculée Vierge Marie, comme pour Thiébaud, on comprend que l'heure de la délivrance est proche, après un violent dialogue, l'enfant se détend, devient silencieux et immobile. Après un instant, il s'étire comme quelqu'un qui s'éveille, ouvre ses yeux, et paraît fort surpris de se trouver dans la Burnkirche, en pareille compagnie. Il va sans dire que le retour à la maison paternelle, donnera lieu à une grande réjouissance. Le dimanche suivant, le 31 octobre, fut célébrée à l'église l'action de grâce avec Te Deum, et sonnerie de cloche à toute volée.
il fut décidé que la victoire contre Satan était assurément à mettre au crédit de la Vierge, tant à Schiltigheim pour Thiébaut qu'à Ilfurt pour Joseph. Les deux petits ex-possédés sont décédés encore jeunes. Thiébaut meurt 2 ans après sa délivrance, le 3 avril 1871, à l'âge seulement de 16 ans. Son frère Joseph a trouvé du travail, s'est marié et s'est établi à Zillichheim. Il y meurt le 13 janvier 1884, à l'âge de 27 ans, les derniers sacrements lui étant portés par le curé Bray. Le curé Bray, quant à lui, mourut en odeur de sainteté, en 1895 à l'âge de 68 ans. Ilfurt reste donc lié au dernier cas de possession démoniaque connu en Alsace et reconnu comme tel par l'Église. Si vous voulez connaître d'autres histoires paranormales véridiques, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, Kayla Lucci. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci. And she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about the youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own.